pour répondre à toutes ces questions, nous recevons donc quelqu'un qui est connu pour ses coups d'éclat et sa grande gueule. Mesdames et messieurs, veut accueillir le prince de la grossièreté, Jean-Marie Bigard. Bonjour Jean-Marie. J'adore les Belges. En tout cas, moi je suis super content d'être invité dans une émission au moins où il n'y a pas de limite, tu vois. On va en discuter d'abord, Jean-Marie, hein, parce qu'on est sur les services publics. Salut ma couille. Il y a les enfants qui nous regardent, par exemple, donc ça. Alors, les enfants savent que c'est une paire de couilles, oui, mon pote. Ça va. Non, si je te dis des roupettes ou des roubignoles, voilà, ils vont pas comprendre, ils vont demander à leurs parents, et là, il y aura vraiment une couille, l'autre fois, je demande à un gars, est-ce que je peux utiliser ta grosse bite? Écoutez, je vous demande de cesser vos vulgarités, d'accord? Pénis, par exemple, je ne sais pas. Écoute, moi, je fais du bateau, je parlais d'une bite d'amarrage, d'accord? C'est un terme maritime. Évidemment, toi, quand on parle de bite, tu penses aux couilles qui pendent derrière. Non. Parce que t'es un pervers et un détraqué. C'est tout. Je vous demande de vous arrêter maintenant. Attends, si tu veux, je peux arriver avec mon bateau et demander au gars, tiens, est-ce que je peux amarrer sur ton gros pénis? Mais ça veut rien dire. Je vois, vous continuez à être vulgaire, systématiquement. Vulgaire, mais il se fout de ma gueule, ce con, hein. Mais attends, tu m'invites pour parler de liberté d'expression, c'est vrai. Et moi, je dois fermer ma gueule. Non, mais ça va, attends. Vous faites quoi, là? Je suis occupé de m'allumer une clope. Ça, on peut même plus faire, tu vois. On peut même plus fumer au public. C'est interdit pour ne pas donner envie aux gens de fumer. Et alors, si je laisse une caisse, ça va leur donner envie de bouffer un cassoulet? Écoutez. Hey, merde. Écoutez, il faut arrêter un moment. La vulgarité, vous savez. Vulgarité. Je peux te dire que les blagues, c'est un peu comme les gonzesses, tu vois. Oui, j'ai peur. On a des fines. T'en as des plus grosses et t'en as certaines qui sont faciles. Oui. Celle-là, tu les mets dans la bouche de n'importe qui. C'est ça. C'est pas le féminisme qui vous étouffe non plus. Attends, moi j'en ai... Là, il y a mon cul qui vient de faire une blague, À mon avis... Je voudrais dire à ma mère qu'on n'a pas fait ça en répétition. Le son, tu le sors d'où, connard? Je peux te dire qu'ils l'ont mieux compris là que là, cette blague. Vous estimez que la France va mal, qu'on supprime peu à peu tous les petits plaisirs des gens. Je te fais pas dire, mon neveu. Écoute, regarde l'autre gueule de Macron, là. Oui. Avec sa tête de premier de classe. Je peux te dire que lui, en classe, c'était souvent au premier rang, tu vois. Oui. Il faisait le faillot. Oui. Et en plus, il baise la professeure, D'accord, mais... Alors, c'est bien de niquer l'enseignement, mais pas à ce point-là, quand même. D'accord, je peux estimer que vous êtes un bon vivant et vous estimez qu'on vous supprime vos libertés, je suis d'accord. Évidemment qu'on me supprime. Moi, je roule en 4x4, j'adore conduire, tu vois. Et j'aime bien mes enfants aussi. Et puis, j'aime bien fumer ma petite clope. Oui. Pourquoi je pourrais pas faire les trois en même temps, mon pote? C'est pour la santé de vos enfants. Santé de mes enfants. Attends, tu connais Gainsbourg? Le gars, il fumait comme un pompier. Il buvait comme un trou. Oui. Côté, t'as Matt Pokora qui a une hygiène de vie de dingue. Mais en même temps, c'est lequel des deux qui fait le plus de mal à la France? C'est moi qui te le demande. C'est pas faux. C'est vrai. C'est pas faux. Donc... Salut ma couille! Salut ma couille, comme ça, nous deux, ça fait un pair! Je peux même te dire que c'est un service trois pièces avec la tête de gland qui est là!
Bon, monsieur Sébastien, qu'est-ce que vous faites là? Vous venez d'annoncer hier que vous arrêtez votre carrière. Écoutez, j'ai été viré par France 2 parce que j'aimais faire la fête, j'adore faire la fête, je suis quelqu'un de simple, je suis trop libre, je suis trop talentueux. Oui, d'accord. Alors du coup, je suis venu tenter ma chance ici dans le service public belge. Oh là là. Parce que j'adore les Belges, ils sont cons ces Belges, ouais. J'adore les Belges, vraiment. Hein. Okay. Et je vais vous présenter la toute nouvelle émission de divertissement sur la 2 qui va remplacer ta soupe qui ne fait rire personne. Pardon? Alors je vais t'expliquer, tu sais c'est quoi ce numéro de magie extraordinaire du présentateur belge qui disparaît? Non. Eh ben disparaît, allez dégage. Vous ne me virez pas quand même. Casse-toi de là stagiaire au coiffure, allez casse-toi. Laisse faire les pros. Je ne suis pas stagiaire. Cette émission fait 400 000 téléspectateurs. 400 000. Le mec, il fait rire sa famille. Il croit qu'il est animateur. Allez, assieds-toi et apprends-moi. Ça va, ça va, ça va. Je vais y aller aussi, moi. Non, non, tu as une potiche qui ne sert à rien que je peux couper. J'en ai besoin. Mais écoutez, il me manque quelque chose. Là, il me manque mes danseuses. Elles sont où, mes putes? Enfin, mes danseuses. Oh, les merdes. On se pote, c'est la fête. Allez, patron, on t'en dégage, on a une émission à faire. Allez, hop. Je vous retrouve dans ma loge. Bref, mesdames et messieurs, je vais vous expliquer un nouveau concept révolutionnaire, le plus splendide musical de l'univers de la galaxie, avec des artistes formidables, des cracheurs de feu, des artistes, et je vous montre d'ailleurs ici à ma droite, les trois sosies. Orlando, Léon Zitrone et Zara Weiss. Oh, c'est génial. Si tu veux, patin, j'en ai une bonne, c'est une pute. Non, surtout pas. Tu la racontes mieux que moi et tu risquerais de me voiler la vedette. C'est génial. Excuse-moi, la vedette, c'est moi. Ta gueule, Guy Montagnier, tu vas voir ce que c'est, une émission de qualité. Alors tiens, Adrien, vas-y, présente-moi le numéro. Écoute, Adrien. Alors, il nous vient en exclusivité. Tu as raison, c'est vrai, il a raison. Il nous vient d'Arabie Saoudite, il est génial. Il est bluffant, je l'adore. Il s'appelle Ali Copperfield. On applaudit Ali Copperfield, c'est génial. Bonjour les Arabes, bonjour les Marocains. Nalala, tout le monde. Je vais vous faire les tours exceptionnels. Les tours de Mahaji, que d'habitude je les fais seulement à la Turquie. Mais là, en vous remerciant pour toute la Belgique qu'elle a fait pour le djihad, je vais les faire ici. Ah, c'est génial, tu vas voir, c'est génial. Je vais prendre un journaliste que je vais les mettre dans les boîtes. Ah, c'est excellent. Les journalistes, ils prennent son démon dans la boîte. Il est déjà dedans. Il est dans la boîte. Les journalistes dans les boîtes. Ah, il est trop fort. Oui. Les journalistes. Comment les prénoms qui s'appellent les journalistes? Jamal. Ah, il s'appelle Jamal. Jamal. Et par la magie, moi non, je vais transpercer le Jamal avec les épis. Les épis du bois, qui par la magie, il aura même pas mal. Abracadabra. Oh putain, alors yeah. Tu vas mettre l'épée. Abracadajambe, hein? Abracadaboudine, hein? Oh putain, il fout les épées, quoi. Abracadalcul, hein? Oh, c'est génial, c'est extraordinaire. Ça va pas bien, hein? Il y a bien maintenant, vous allez bluffer. Et Jamal, je sais, Jamal, arrête de répéter toujours. Ah, c'est génial. Ton prénom, on l'a compris, c'est Jamal, hein? Et maintenant, je vais faire disparaître le corps de la personne que personne ne peut la retrouver. Même pas les Américains. Ah, c'est fort. Ah, c'est très fort, c'est très fort, c'est génial. Oh, la police bien fort. Mon Ali Copperfield, génial. Alors, génial. Il est génial, en plus, j'avais plein d'autres magicos, il a bien fallu trancher, mais enfin, on rit, c'est la fête. Jean-Marie, on raconte des blagues sur l'Arabie Saoudite. Bah ouais, mais moi, l'Arabie Saoudite, c'est pas si loin que ça. Hein, c'est un jet de pierre. Oh, il est con. Oh, il est con, Jean-Marie. Oui. Il est génial. Adrien, alors, le numéro suivant, t'écoute. Oui, nous allons recevoir en exclusivité. Et moi ce aussi, soir. Je les adore. Ils me doivent tout. Je les ai récupérés dans un caniveau. Alors qu'ils faisaient du playback sur la chanson J'ai encore rêvé d'elle. Ils sont incroyables. Mesdames et messieurs, les frères Ragardoche. C'est génial. Oh putain.
ils font le cheval. C'est génial. Oh putain. Ouais, c'est trop fort, trop fort. Ça c'est très fort. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Excellent, excellent, je les adore. Je les adore, je les adore. Inimitable, inimitable, les frangins. Sans moi, vous seriez encore sur la RTBF. Alors, est-ce qu'ils ont peut-être un autre numéro à nous proposer? Ah oui, ils rappliquent, allez, venez. Ouais, ok, allez, allez, voilà. Allez, c'est parti. Voilà. 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 Voilà, oh. Voilà, oh, oh, oh. Voilà. Ok, ok. Voilà, voilà. Voilà, ouais. Allez. Voilà. Ouais, encore un essai, ouais. Voilà. Pia. Oh putain, il va le faire. Pia. 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 Ah, c'est excellent. Oh merde, il lit le journal. Ah, ils sont formidables. Ils sont formidables. Allez, maintenant, cassez-vous. Allez, vous dégagez, c'est quand même mon émission, les frères Taloche. Non, excusez-moi, c'est mon émission. Mais plus personne ne s'est quitté, tu vois, et on poursuit ce cabaret exceptionnel. Alors, Jean-Marie, j'ai appris que tu avais eu de gros problèmes lors d'un spectacle et les gens ont cru que tu étais un sosie et personne n'a voulu réserver, c'est vrai cette histoire? Exactement. Jérôme Dewars a eu le même problème. Les gens sont pas venus parce qu'ils savaient que c'était lui, tu vois. Ah, mon Jean-Marie, indécrottable. Et là, je vous propose, la soirée va continuer. Vas-y, Adrien, fais ton travail, continue. Ouais, ils sont venus. Oui, alors, tout ça, comme moi, ils disent plein de bêtises, mais ils sont adorables. Ils sont vraiment adorables. On les applaudit. Voici Jeff Panacluc et sa marionnette Jean-Luc. On les applaudit d'un fort. Salut, les trous ducs. Jean-Luc. Ah, ben quoi, c'est des trous ducs. Et eux, ils ont quand même de la chance, le leur est libre. Moi, je dois me coltiner ta main dans mon cul toute l'année. Jean-Luc. Ah, il est énorme. Qu'est-ce que tu fais pour les vacances, Jean-Luc? Ben, je vais au Cap d'Ail avec ta femme. Jean-Luc, s'il te plaît. Oh, Jean-Luc, Jean-Luc, Jean-Luc. Tu sais quoi? L'anagramme de Jean-Luc, c'est quoi? Jean-Luc. Il est génial, il est génial, il est génial, Jean-Luc. C'est formidable. C'est formidable. Excuse-moi, mon Jean-Luc, j'ai dû te couper parce qu'on peut pas lire Jean-Cul à la télévision, évidemment. C'est moi qui l'ai découvert, Jean-Luc. Allez, peut-être Jean-Marie, une dernière blague? Ah ouais, tu sais, c'est quoi la différence entre du Viagra et du marron? Ouais, 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 on sait. Eh ben, s'il y a pas de différence, les deux, c'est pour fourrer une vieille dame, tu vois. Oh, mon Jean-Marie. Allez. Allez, bah écoutez, je vous propose maintenant... Je vous propose maintenant de clôturer cette émission. Non, non, on va pas clôturer une émission comme ça. Si, tais-toi, je connais mon métier. Une émission, ça se termine avec tout le monde qui se fout à poil, qui s'enduit de vaseline, qui se verse des paillettes sur la gueule et qui se fout une plume dans le cul. Ah bah ça fait rêver, merci. Ouais. Venez tous, venez m'entendre sur le plateau. Comme d'habitude, on va terminer en musique, mais je me suis adapté à la Belgique. J'ai utilisé les paroles d'une chanson que vous connaissez déjà et je l'ai adaptée à votre roi en hommage à Albert II. Et ça s'appelle Delphine. Allez, musique! Même devant le tribunal, on se fout de Delphine, on se fout de Delphine, parce qu'on peut m'emmerder, même devant le tribunal. Moi je n'en peux plus, je veux qu'elle me foute une paix royale, parce qu'elle peut m'emmerder, même devant le tribunal. On peut plus de Delphine, j'en peux plus de Delphine, parce qu'elle peut m'emmerder, même devant le tribunal. Je m'en fous de Delphine, je veux qu'elle me foute une paix royale. C'est la fête, tout le monde. Je vous présente Claudia, Natacha et Robert. Allez, à la semaine.
prochaine pour un nouveau cabaret, un grand musical. Et n'oubliez pas, ah, Sky est pas emmerdé, le tête de Pays Royal, je m'en fous de la vie, je m'en fous de la vie.